taxi! Il y a des décisions que l'on prend dans la vie où tout chavire de 180 degrés. Il y a des moments où tout notre destin se dessine de nouveau. Pour moi, le moment basculant était la décision de mon père de s'installer pour vivre définitivement au Liban. À l'école, j'ai vécu mes plus beaux moments, j'ai tissé de très bonnes relations. J'ai pratiqué tous les sports dont j'avais rêvé. J'ai aimé le Liban. Plusieurs fois, je suis retourné en France et toujours, je revenais au Liban. Je me suis marié à une Libanaise. J'ai eu ma première fille, ma deuxième et ma troisième. Et jusqu'à maintenant, mes plus bons moments, je les passe avec ma famille au Liban. Mon choix à moi, c'est le Liban. Je m'appelle Jean Marc Bouillon, français d'origine, libanais de choix. Allô Ali, peut-être la ruiner, please. Novembre au Liban, il fait super beau, un bon jogging, rien de meilleur. Allez Jean-Marc, on y va au travail? Allez, on va au carpaccio maintenant, c'est l'heure. Moi j'aime la région de Bethmery, il y a beaucoup de forêts, tout ça. Ils conduisent bien les Libanais en général. Ils respectent pas le code, mais ils conduisent bien. La carrière le majnoun, Amao, là. Mustafa, ça. Hi Maya, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va? Très bien. Pas d'aller. J'ai repris une affaire qui travaillait, qui s'appelle le Carpaccio, et on essaie de faire découvrir des produits français aussi, un peu plus. Avec l'appui de ma femme, c'est plus facile, mais moi, je me suis toujours intégré, bien sûr. Tout ce qu'on fait, il me demande, et moi, je me demande, et on va voir ensemble. كثير منيح مع الزبونات، كثير دبلومات وبيعرف يستقبل الزبونات. والله اطيب من هيك شاب، قد ما بتلاقيه عم بيشتغل للمحل قد ما بينتقد، يعني ما في يشوف شغله الا ما بده يعملها ويحسنها ويغيرها. Vous me parlez un peu l'arabe, l'anglais, le français. Donc c'est pas tellement difficile point de vue la langue. انا لاني بحكي معهم بالعربي اوقات هيك بكون فجي. هو بيحكيهم بالفرنسي بيكون فج بس هني ما بيفهموا كتير عليه بالفرنسي بتطلع منه كتير مهضومة وبيطلع أنا الحق علي كله صار بيفهم عربي بيهتم ويسأل وهاي شو وهاي شو ساعات يقول لي كلام مصري كسر مثله صرت بدل ما يعني علمه العربي علمنا العربي المكسر il parle l'arabe quand il a envie مازن كيفك لك بدي كيلو جزا اوكي لا زبون هون يعني الفرنسوية حقهم أكثر من غيرهم يفتحوا شغل بلبنان بداية معنا مثل كانوا أصحاب نحن وياه
Very good, Jean-Marc. Sympa de travailler avec Jean-Marc. C'est vraiment sympa. هو كتير مبسوط جوزي بالمحل. En France, on subit plus qu'on vit. Ici, on vit plus. La vie a plus de prix au Liban et je me sens de loin mieux au Liban. Non, j'apprécie toujours et de plus en plus. عنده بالبريوريتي هو انه الاولاد بس يجوا من المدرسه بنكون احنا جينا من الشغل بياخذهم بيعمل سبور وياهم كثير بيهمه انه اولادنا يعملوا سبور.